Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Ça me manque aussi. Je vous ai manqué, j'espère. Celle qui j'ai pas manqué, ben tant pis. Voilà. Je vous refais une vidéo aujourd'hui pour vous présenter encore un kit de Diamond Painting. Aujourd'hui, je vais vous présenter un kit pour la boutique e-broderie Diamond. Voilà, qui m'a envoyé en partenariat avec moi, donc gentiment un kit donc, que j'ai choisi dans leur boutique. Et, ils m'ont envoyé, donc que j'ai pu choisir, donc à mon goût, un kit, un grand kit, donc je pouvais choisir à la taille que je souhaitais. Et également, je pouvais choisir donc le modèle que je voulais, si je voulais des perles carrées, si je voulais des perles rondes. Donc, vraiment, je pouvais donc choisir vraiment le kit à mon goût. Voilà. Donc, la société e-broderie Diamond donc m'a envoyé le kit. Là, bon, ça fait déjà une bonne semaine que j'ai reçu, oui, je pense. Ça fait une bonne semaine que j'ai reçu, mais j'ai pas eu le temps du tout de vous faire la vidéo avant. Because préparation du salon, hein, ça vous, beaucoup d'entre vous le savent. Donc, manque de temps. Voilà, mais ça y est, j'ai pris 5 minutes, enfin, un peu plus de 5 minutes. J'ai pris 5 minutes pour vous présenter le kit et pour vous présenter donc cette boutique. Donc cette boutique vous donne également vous donne un code promo que je vais déjà vous afficher ici qui vous donnera 10% de remise sur votre commande si vous voulez aller commander chez eux. Hein, rien ne vous y oblige. Je rappelle déjà tout de suite que je n'ai aucun pourcentage si vous allez commander chez eux. Vous commandez, c'est bien, vous ne commandez pas. Tant pis pour eux, mais moi je n'aurai aucun pourcentage sur vos commandes, voilà. Mais ils vous donnent donc 10% de réduction sur votre commande. C'est un code promo illimité, donc profitez-en. Voilà. Donc déjà la société e-broderie Diamond, c'est un, alors la boutique est basée à Londres. Oui, voilà, pour une fois. La boutique est basée à Londres. Les livraisons sont gratuites en France et livrent très très rapidement. En moyenne, une semaine, 10 jours, on reçoit. Hein, dès que vous avez commandé votre kit, entre une semaine, 10 jours, suivant les délais de la poste, hein, bon, vous recevez votre kit. Et il y a beaucoup, beaucoup de choix sur le site internet. Il y a, bon, sur les animaux, il y a des fées, pour les enfants. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Et vous avez la possibilité également de commander du personnalisé. Voilà. Donc, si vous voulez faire un kit par rapport avec une photo, voilà, la photo de votre mariage, de votre bébé, de votre grand-mère, de votre chat, voilà. J'en passe, tout ce que vous voulez. Vous leur envoyez la photo, voilà. Là, vous communiquez avec eux directement et ils vous feront le kit par rapport à la photo que vous leur aurez envoyée. Voilà, ça coince ce matin. Il est 10h, mais ça coince encore. Donc, bon, je vous ai déjà déballé l'emballage de la poste, mais c'était très bien emballé dans l'emballage noir, comme d'habitude. Voilà, donc, voilà le kit, donc dans la petite boîte bleue. Hein. Et donc, je vais vous montrer donc, ce que j'ai reçu. Ah, on va retirer tout. Alors d'abord, j'ai reçu un petit crayon comme ça. Voilà, vous voyez. Le petit stylet pour faire votre kit.
Voilà, celui-là, je vous l'avais déjà présenté hein, une fois. Oui. Avec la petite pointe. Alors, cette petite pointe-là va bien, mais sur les ronds, surtout. Et cette petite pointe-là va bien sur les carrés, surtout. Voilà. Il est très beau, parce que vous voyez, avec les petites paillettes à l'intérieur. Donc, celui-là, je le trouve très joli. Il est classe. Ensuite, je déballe. Ça s'arrête. Alors, le petit plateau avec le petit matériel. Donc, le petit stylet, je vais ouvrir pour que vous voyez mieux. Alors, est-ce qu'il y a une ouverture quelque part? Oui. Je fais du bruit, hein. Donc, le petit stylet. Bon, là, c'est le tout simple, hein, vous voyez, comme ça. Avec le... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir avec ma main, là. Hop, si. Pour mettre plusieurs perles d'un coup. Là, on peut en mettre 6 à peu près d'un coup. Voilà. La petite pince comme ça. Bon, ça, moi, je ne me sers pas trop. Le petit carré de glu. Ah, je savais qu'il y avait. Hop, voilà, je referme la pince. Et le petit plateau pour les mettre les perles avec la petite boulotte, là, pour remettre dans sa petite boîte. Donc, ça, c'était le petit matériel. Et là, voilà. Donc, les perles. J'en ai un sacré paquet. Donc, on va trouver le bout pour l'ouvrir. Ah. Je fais du bruit. Désolée, hein. Alors, ici, j'ai des... Je ne vais peut-être pas tout sortir, mais je vais vous montrer. Alors voilà, comment ici se présentent les perles. Voilà. En chapelet. Vous voyez. Donc là, c'est toute une même couleur. Hein. Par exemple, là, c'est la couleur 792. Donc 792, je vous rappelle que ça, c'est les codes couleurs de DMC. Hein, pour les brodeuses. Elles connaissent, même pour celles qui ne sont pas brodeuses, qui ne savent pas déjà ce que c'est pour DMC. DMC, c'est les couleurs de fil à broder. Et donc, c'est exactement les mêmes codes couleurs que les fils à broder de chez DMC. Voilà. Donc, voilà comment se présentent les perles, ici. Donc là, ce système-là de chapelet... ça vous permet également, par rapport à l'autre jour où tout était déjà dans des petits sachets, ici vous pouvez par exemple ouvrir un petit sachet à la fois. Voilà. En chapelet, déjà vous allez pouvoir compter pour vérifier si vous avez bien toutes vos perles avant de commencer votre kit. Là, c'est un avantage par rapport à l'autre jour. Malgré que l'autre jour, c'était bien aussi en sachet, hein, comme je vous avais dit. Là, c'est un avantage, c'est que vous allez compter tous vos petits sachets et vous allez pouvoir vérifier. Ah, j'ai des petits sachets en plus. Ils m'ont mis des petits sachets pour mettre les perles qui restent. Vous voyez? Quand il me restera à la fin du kit des perles, eh bien, je pourrai les ranger dans les petits sachets. Ça, c'est toujours appréciable. Voilà, donc ça c'est la feuille de bord, comme on dit, qui a été vérifiée par la personne qui a le numéro 33. Vous voyez, ça a été tamponné. Alors, je vous montre le dessin après de plus près et je vous remettrai la photo. Ici, vous avez tous les codes qui seront reportés sur la toile. Ça, je vais vous le montrer. Ici, vous avez tous les codes DMC, donc les codes couleurs.
ici en rouge. Voilà, vous voyez, la personne qui a préparé le kit a tout vérifié. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur dans le kit puisque ça a été vérifié. Hein, c'est bien vérifié. On voit que ça a été vérifié au stylo. C'est le nombre de petits sachets de perles que je dois avoir dans le kit. Donc, normalement, il ne doit pas y avoir d'erreur. Mais moi, je peux recompter avant de préparer mon kit. Je peux recompter derrière la personne avant de préparer mon kit. Comme ça, si je vois qu'il manque un sachet ou deux, voilà, ou une couleur carrément, avant de commencer le kit, je peux prendre contact avec le vendeur et lui envoyer un message, lui dire, ben voilà, il me manque telle ou telle couleur, est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Le vendeur va vous envoyer la couleur qui manque. Ben, voilà. Donc, en chapelet comme ça, c'est plus facile de vérifier, par contre, s'il vous manque des couleurs. Si vous en avez assez, ou si vous en avez, bon, si vous en avez trop, là, vous n'allez pas le dire au vendeur, bien sûr, mais bon, si vous en manque, ça vous permet de dire tout de suite au vendeur, avant de commencer votre kit, voilà, il manque telle ou telle couleur, ou il va me manquer les sachets. Voilà. Donc, vous vérifiez ici, voilà, avec le rouge. Et ici, la dernière colonne, c'est le nombre de perles. Voilà, c'est le nombre de perles que vous avez par rapport au nombre de sachets. Donc là, par exemple, celui où il y en a le plus, c'est celui-là. Par exemple, 792, la couleur 792, il y a 2528 perles. Voilà, et on m'a mis 13 sachets pour cette couleur-là. Voilà, donc ça, c'est le nombre de perles en tout qu'il y a dans mes sachets. Voilà. Alors, si vous voulez savoir, alors je ne sais plus de tête au centimètre carré. Oh mince, j'ai un trou. Au centimètre carré, je crois qu'on fait. Ah, j'ai un trou. 10 perles, je crois. Je vous remets là, tout de suite en dessous. Comme ça, vous pouvez après faire le calcul par rapport à la dimension de votre kit et vous savez tout de suite combien vous faites de perles sur votre kit. C'est juste une petite opération. Mais là, bon, vous additionnez tout ça, vous savez aussi le nombre de perles que vous allez coller sur votre kit. Des fois, c'est assez impressionnant. Hein. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on fait un petit rappel du matériel que vous avez un peu. Bon, ils n'ont pas tout mis, mais... Donc, le petit plateau, la pince, les perles. Et voilà, bon, je vais vous remettre la photo, mais voilà le dessin, le kit que j'ai choisi, les loups. Et donc ça, je vais vous remettre la photo. Voilà, donc vous avez vu la photo. J'aimais bien ce style-là. On en a déjà j'en ai un qui a à finir, mais depuis un moment. Mais c'est parce que je suis arrivée dans une partie, mais vraiment très très noire. Et c'est un kit que j'avais eu chez Tonton Ali. Et là, je ne sais pas, ce coin-là était mal imprimé. Donc là, j'ai du mal à le finir. Mais je le finirai un jour. Ça, c'est sûr. Alors. Donc voilà, donc je vous disais, voilà les perles, tout en chapelet, vous voyez, là c'est une autre couleur. Ah, là vous voyez par exemple, ici j'ai un sachet qui est craqué. Donc ben, ça va être un exemple, je vais regarder justement, déjà s'il n'y a pas de perles tombées dans le sachet, non. 3861, alors il me faut 4 sachets, non, ben, alors j'ai mes 4 sachets, donc c'est bon, 1, 2, 3, 4, vous voyez, donc là j'avais un sachet de craqué, mais non, c'est pas, donc j'ai bien mes 4 sachets, donc c'est bon, vous voyez, des fois on a ça, un petit sachet de craqué, ça arrive, on peut penser, vous voyez, des fois, on n'est pas à l'abri, hein, c'est des machines hein, qui font les chapelets, donc on peut retrouver des perles dans le paquet, et donc vous voyez, là j'ai vérifié sur ma feuille de bord, et j'ai bien mes 4 sachets, donc ça va très bien. Voilà.
Donc là, après, je vais revérifier moi-même si j'ai toutes mes perles. Mais bon, je pense à vue de nez que ça doit aller puisque ça a déjà été vérifié par la personne. Hop. Je fais du bruit toujours. Et donc là, je suis contente parce que, vous voyez, ils m'ont mis quand même pas mal de petits sachets. Quand il me restera des perles, je pourrai les remettre là-dedans. Voilà. Donc là, moi, j'ai choisi des perles carrées. Voilà, les perles rondes, j'aime pas beaucoup. Je préfère les perles carrées. Donc, voilà. Alors, le kit. Enfin, le kit, le tableau. Voilà. Hop, vous voyez, il est assez grand. Hop. Alors, là, c'est un 50-70 que j'ai pris. Vous voyez, 50-70. Alors, ici, une différence par rapport aux autres kits que j'ai déjà fait. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une vidéo, juste une vidéo diapositive avec tous les kits. On n'en a pas fait une centaine. Hein. On a fait quoi? Peut-être une dizaine, mon mari et moi, parce que lui aussi en fait. Je vous ferai une petite vidéo diapositive pour vous montrer les kits qu'on a déjà fait, si ça vous intéresse. Alors, là, la feuille de protection est entière. Vous voyez? Bon, moi, ça ne me pose pas de problème. Alors, comme d'habitude, je commencerai par le côté en haut à gauche, parce que je suis droitière. Et là, bah, du coup, comme la feuille de protection est entière, je vais travailler... Là, c'est pas facile parce que je n'ai pas redéroulé. Je vais travailler de gauche à droite. Toujours comme ça, de gauche à droite. Voilà, je travaillerai comme ça. Ce n'est pas un souci. Voilà, on va regarder... Vous voyez, ça se décolle très très bien. Ça colle très très bien. Et vous voyez, voilà. C'est très bien imprimé. Donc vous voyez, chaque petit carré correspond à une couleur. Donc c'est très bien imprimé. Donc il n'y a pas de souci. La colle est de bonne qualité. Bon, je ne vais pas passer mes doigts dessus tout le temps, parce que sinon, après là, je vais l'enlever. Donc, là, il faudra que je prépare mon kit, mais j'en ai un à finir, là. Je vais d'abord finir celui que je suis en train de faire, la petite japonaise. Et j'attaquerai celui-là après. Alors, ici, je vous montre. Vous voyez, vous avez un rappel sur le côté... Donc, un rappel de la photo, de ce que vous allez faire. Et vous avez un rappel des couleurs, ici, sur le côté. Alors, par rapport à d'habitude, j'ai la couleur et le numéro 1. Une couleur, numéro 2, couleur, voilà. Mais là, c'est les codes couleurs directement. Bon, ça ne pose pas de problème. Vous voyez? Donc, vous avez le petit carré... qui est représenté sur la toile et le code couleur ici DMC qui correspond à chaque image. Voilà, voilà, j'en ai quand même pas mal de couleurs. Donc là, j'ai, je vais vous dire combien de couleurs. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 couleurs. Voilà, j'ai 36 couleurs pour ce kit. Ça va. Il va être très joli, je pense. Donc voilà. Bah, écoutez, je trouve qu'il est de très bonne qualité. J'ai rien à y reprocher. Les perles, ça a l'air d'aller. Hein. Je pense pas qu'il y ait des perles. Alors, tiens, voilà, je vais encore un. Bah ouais, encore un. Voyez, on pourrait penser qu'il manque des perles. Là, vous voyez, il y a deux sachets qui sont craqués à chaque côté. Mais si je vérifie sur ma feuille de bord, non, il faut un seul sachet. Voilà.
Donc, j'ai bien un seul sachet. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il me manque, qu'il y ait des perles de coller ou d'abîmer. Non, les perles ont l'air bien. J'essaye de vous les montrer le plus près possible. J'espère que ça ne fait pas trouble. Parce que bon, le téléphone ne fait pas tellement le point. Alors, attendez. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, on verra. Donc, celui-là, vous le verrez par la suite en exécution. Pas comme ça, hein. Non, non. Exécution, comme ça. donc, je vous rappelle que donc pour si vous voulez aller commander sur la boutique de Hybroderie Diamant, voilà, excusez-moi, j'arrivais plus à dire le mot, vous avez un code promo que je vous remets ici, que je vous mets en barre d'infos. Je vous mets également en barre d'infos l'adresse du site internet. Je vous mets également en barre d'infos l'adresse du kit, si ce kit vous plaît et puis que vous voulez l'acheter. Je vous rappelle que je n'ai pas de pourcentage sur vos achats, surtout. Parce que je sais que des fois, il y a des personnes qui passent, elles disent, oh, un partenariat, ça y est, elle a des pourcents. La personne a des pourcentages sur les ventes, je connais hein, YouTube. Mais non, 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 non. Si on touchait des pourcentages sur les ventes, eh ben, je ferais beaucoup plus de partenariats. Mais là, non. Ce sont des partenariats gratuits, enfin, gratuits, bon, ils nous envoient un kit. Bon, donc, c'est semi-gratuit, on va dire. On ne fait pas non plus, on ne va pas parler d'eux s'ils ne nous envoient pas le produit. Là, on ne va pas non plus parler de quelqu'un si on n'a pas le produit dans les mains. Mais là, le produit est très bien. Je vous dis, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Mais vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc, moi, je n'ai rien à dire de négatif pour l'instant sur cette boutique. Hein. Rien à dire de négatif sur le kit en lui-même. Je verrai à l'usage, mais normalement, ça va très bien. Hein. Ce que j'ai vu pour l'instant sur la qualité de la toile est de bonne qualité. Elle n'est pas du tout chiffonnée. Hein, parce que bon, comme j'ai dit, des fois chez Tonton Allure, soit des toiles, mais alors bien abîmées. La colle, elle a l'air de bien coller. Les perles n'ont pas l'air du tout d'être collées entre elles ou cassées, parce que ça arrive. Hein. Là, bon, ça va. Alors, je ne sais pas si j'ai une boîte. Alors, est-ce que j'ai la boîte près de moi ou... Non, je n'ai pas la boîte près de moi. Mais moi, après, bon, vous savez que j'utilise la petite boîte avec les petits. La boîte avec les boîtes dedans pour mettre mes perles. Donc, quand j'aurai fini mon précédent kit, je vais récupérer les perles qui sont dedans pour les mettre en réserve. Oui, c'est ça. Quand vous terminez un kit, il vous reste des perles. Automatiquement, il vous reste toujours des perles sur un kit. Ne les jetez pas. Vous les remettez soit dans des petits sachets comme ça. Voilà, vous trouvez. C'est ce qui est le mieux, hein, dans des petits sachets comme ça. Ou alors, vous faites des petites boîtes. Vous les gardez en réserve. Parce que si un jour vous faites un kit, il vous manque des perles, par exemple. Des fois, ça peut arriver hein, qu'il manque 5 perles. Hein, ou qu'il en manque 10. C'est déjà arrivé. Hein, y a pas... vous êtes bien content de retrouver dans votre réserve la même couleur, avec la même référence, et pour pouvoir terminer un kit. Voilà. Donc, surtout, ne jetez jamais, jamais vos perles quand il vous en reste. Je parle d'expérience, pas personnelle. Je parle d'expérience parce que bon, moi j'ai un groupe de diamond painting que je gère
Et j'ai déjà vu une de mes membres de mon groupe qui avait dit sur le groupe qu'elle jetait à chaque fois à la fin du kit ses perles. Oui. Et puis un jour, elle a sur le groupe, elle est tombée en panne de perles pour un de ses kits. Voilà. Et oui, si tu n'avais pas jeté tes perles, mes mères, tu aurais pu te dépanner toute seule. Voilà. Donc voilà, je trouve ça complètement, complètement fou de jeter les perles à la fin d'un kit. Ben ça y est, bon, j'ai fini mon kit, je jette. Non, on jette pas. Parce que bon, ben, non, on jette pas, on garde de côté. Et de toute façon, même si vous un jour vous n'en avez pas besoin, nous en faisant du loisir créatif, vous savez très bien que nous tout se recycle en loisir créatif. Tout peut se recycler, même ces perles-là. Voilà. Donc on ne jette pas. Si vous en reste, vous ne jetez pas. Voilà. Vous gardez. Donc ben voilà. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais vous refaire une vidéo, peut-être pas aujourd'hui, mais je pense plutôt peut-être demain. On est vendredi, donc je vais voir, parce que là, je suis en train de terminer une commode pour le salon de Carvin. Et j'ai des créas à vous montrer justement que j'ai terminé pour le salon. Donc, je vais vous refaire une vidéo dessus. Et j'ai une autre vidéo à faire également. Et puis, j'ai une troisième vidéo à vous faire pour vous parler de quelque chose. Pour la vidéo des créas, je vais vous annoncer quelque chose. Bon, certaines qui sont sur mon Facebook le savent déjà pour le salon. Sinon, oui, je sais, j'ai encore la vidéo des spéciales débutantes cartonnage à faire. Mais là, les filles, je suis vraiment en manque de temps. Donc, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Mais là, je suis surbookée en ce moment. Donc, j'espère que vous ne m'en voulez pas du tout. Mais une fois que le salon va être passé, c'est vrai que c'est bientôt, hein, c'est le 19. Là, ce sera beaucoup plus calme. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à toutes de gros bisous. Surtout, allez voir en barre d'infos les liens que je vous aurai mis, hein, même si c'est juste pour visiter le site. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Bisous, bisous. À bientôt, les filles.